Nous avons commencé par les informations. Les deux principales informations, c'est la présence de deux officiers supérieurs, deux militaires, pas de moindre. Malgré que nous sommes fâchés contre les militaires, nous les comprenons. Voilà, nous les comprenons. Moi, je dis merci aux frères, aux uns et aux autres qui nous écrivent et puis qui insistent pour dire, Benito, parfois il faut être compréhensif. Je comprends, grand frère, les chers militaires qui m'écrivent là. Je comprends. Vous savez, dans mon inbox là, j'accepte seulement les faux comptes, les comptes sans photo que des militaires. Le reste là, quand je vois, je bloque. Donc, et je suis très content que vous vous rendez compte quand vous m'envoyez vos photos là. Après, je delete. Donc, vous avez vu, quand vous envoyez, vous dites, mais voilà, ici, c'est moi, tel, et puis je coupe. Donc, Dieu merci de reconnaître que jusque-là, aujourd'hui, depuis que vous avez commencé à donner les informations, personne n'a été inquiété. Ça, c'est Benito. Voilà, moi, je ne vous donnerai jamais à quelqu'un. Parce que je n'ai rien à gagner dedans. Rien à gagner en dénonçant un militaire. Voilà. Et puis, je vais dénoncer le militaire envers quelle bonne personne? Donnez-moi la bonne personne à qui je vais donner vos informations, s'il vous plaît. Ils vont vous assassiner. La mort, là, est sur ma conscience. Donc, tranquillisez-vous. Inch'Allah, nous allons travailler ensemble et ça va aller. Donc, le général Sadiba n'a pas été arrêté, Dieu merci. Quand il est rentré de la Havane, effectivement, il a rencontré Doumbouya. Mais tellement que Doumbouya est malhonnête, vous avez vu, non, tellement qu'il est malhonnête. Général Sadiba, qui supportait les gens, qui l'a commencé à manger, c'est-à-dire, j'ai démontré par A plus B, la valeur de l'armée guinéenne. Vous êtes laissé berner, piégé par un petit poltron. Ouais. Mais c'est vers la fin, vous vous êtes rendu compte que c'est un menteur, il vous a trompé sur toute la ligne. Alex m'a dit, comment vas-tu? Donc, quand Idi Amin est rentré, quand Sadiba est rentré, il est parti le dire, bon, il est parti le saluer, par respect, il est parti le saluer. Diaka, on avait déjà dit à Doumbouya que Sadiba communique avec le prince Alpha Condé. Mais c'est n'importe quoi. Mais qui était le patron de Sadiba avant? Général Condé, le ministre de l'administration du territoire. Le ministre de l'administration du territoire, l'actuel général Condé, demandez-le, il était dans quel service au temps d'Alpha Condé? Pendant 10 ans, il occupait quel service? C'est lui qui a en mission de fermer les partis politiques, les vieux partis politiques. Nous sommes déjà avertis par Tamba. Tamba l'avait dit. Vous avez demandé aux médias que vous avez fermés. Si vous voulez réouvrir vos médias, aidez-nous à fermer les vieux partis politiques. Nous le savons très bien. Et nous l'avons déjà dit. Nous ne sommes pas surpris. Moi, je l'ai dit même fois sur ma page. Après la presse, là, c'est le tour des partis politiques. Mais vous ne voulez pas tous les partis politiques. Vous voulez pas des vieux partis politiques. Il y a des partis politiques dans d'autres pays qui ont plus de 30 ans, 100 ans d'existence, hein, dans les autres pays. Le PDGRDA est un vieux parti politique. Mais est-ce que vous avez vu Idi Amin? Idi Amin fermer ce parti politique, le PDGRDA. Quand vous parlez de... non, nous allons revenir sur ça. Donc, Sadiba vient, il passe, il salue Doumbouya, il rentre chez lui. Mais Ikeranya dans la vie, dans un groupe là, il y a des personnes qui t'aiment. Il y a des militaires qui sont reconnaissants envers toi. Il y a certains militaires qui ont été, c'est-à-dire qui ont été sous ta couverture. Il y a des militaires qui ont bénéficié de ta formation. Il y a des militaires qui ont bénéficié de ton service ou bien de tes services. Donc, il y a d'autres qui sont autour de Mamadi Doumbouya, qui aiment tous ces officiers, parce que ils vont pas comprendre. Je parle du premier groupe des forces spéciales. Prenez leur nom de famille, prenez leur nom. Cherchez leurs parents. Si un n'est pas un du RPZ Arc-en-Ciel, c'est que son papa est lié à Alpha Condé, ou bien son papa a été ami à Alpha Condé, sa maman a été militante du RPG, femme solide du RPG. Partagez. Est-ce que vous comprenez? Donc, premier groupe des forces spéciales, là, à le premier groupe B, à Béan Donné, le dit, en Croquelou, des gens qui sont liés au RPG, ou bien des amis du RPG, ou bien des partis politiques liés au RPG, à Béan, même Mamadi Doumbouya.
Mamadi Doumbia en personne, sa maman Anna Asorona, c'est le prophète Fakonde qui l'a envoyé à la Mecque. Sa maman faisait partie du groupe de femmes qui préparaient pour le RPG. Donc Doumbouya a bénéficié de ça. Il y a eu une facilité pour le recruter. Les gens ont fermé les yeux pour le prendre. Sinon, n'importe quel chef d'État, averti, expérimenté, on te dépose le dossier d'un légionnaire français. La Guinée-Côte d'Ivoire, n'importe lequel, on dit non, il vient, il a travaillé dans la Légion étrangère française, ni à la, le président Ota. Attata fait, attata recruté, attata, Alpha Condé même l'a dit. Où est mon Kélin Sorona? Un des éléments là-bas qui a appelé Saliba pour lui dire, on veut te prendre. Alors, tu n'as là, tel. Son talent, le monsieur n'était plus là-bas. Aujourd'hui, il est introuvable. Vous ne trouverez plus ce monsieur-là. Vous ne trouverez plus ce monsieur-là. Parce que en réalité, la Saliba n'est pas une mauvaise personne. En réalité, ce n'est pas une mauvaise personne. Ce qui nous a énervé contre les militaires-là, c'est le fait que les officiers-là, le fait qu'ils ont laissé, ils se sont laissés manipuler par une petite personne, une personne minable. Ou les bananes. Sinon, en réalité, nous sommes, je l'ai dit, hein, si c'est l'armée qui avait pris le pouvoir là, voilà ne benito. Nous ni l'armée quand pour demander pardon au professeur Alpha Condé, ni tout ma kenete. D'aller continuer à demander pardon au professeur Alpha Condé, faire tout pour qu'Alpha Condé dienne, le président dienne, aller les massani. Mais un voyou, un délinquant, un criminel, ou il a comme ça, et puis il dit que non, parce que le discours de Doumbouya est là-bas, hein, le discours, à la discourier, le discours qu'il a tenu. Le 5 septembre, allez-y, écoutez. Je demande à mes frères d'armes d'être comme le discours là-bas, hein, parce que si j'entends après, dans tous les communiqués, que l'armée guinéenne a pris le pouvoir, quand moi j'entends au niveau de la RTG que c'est l'armée qui a pris le pouvoir, oui, c'est vrai. La télévision vous appartient. C'est pas aujourd'hui, ils sont en train de relever les radios rurales, les radios, je sais pas quoi là, pour supprimer les presses privées. Yeni Baya au radio là, non. Bec au long, on t'a fait dire que l'armée a pris le pouvoir. Et pourtant, le discours de Doumbouya le 5 septembre, il dit qu'il demande à l'armée guinéenne de le rejoindre. C'est ce qu'il a dit. Je demande à l'armée guinéenne de nous rejoindre parce que l'unité là avait une mission. C'est un décret qui avait nommé le. C'est comme si on nommait un préfet. Quand ton mandat finit là, quand le président ne continue de travailler avec toi là, il prend un décret abrogeant le décret antérieur, et puis c'est terminé. L'unité va être dissoute. Ceux qui voudront aller dans l'armée régulière, Oltundiwa, même il n'y a fait qu'à vie civile qui est Oltundiwa. C'était comme ça. Mais puis, il y a un qui a appelé Saliba pour lui dire de quitter. Saliba avait quitté. Mais Dieu merci. Moi-même, je demande de quitter le pays. C'est mieux, il faut quitter le pays. Ni moi, ni hier, il faut quitter ce pays. Il ne faut pas faire le fortinga. Il faut quitter. Deuxième information, il partait que mon tonton, ça, c'est mon grand frère, hein, voilà, Panival, Astafoulaye, paix à son âme. Claude Pivi, c'est tout dans les parages. Voilà, Claude Pivi est dans les parages. Claude Pivi est dans les parages. Ok, Bouba Samsam. Claude est dans les parages. Pourquoi il connaît qui jaune, non? Moi, je demanderai à mon grand frère Claude Pivi de faire beaucoup attention. Voilà, il faut faire beaucoup attention. Voilà, faites beaucoup attention. Nous venons d'apprendre que leur fibre optique là s'est coupée quelque part encore. Parce que, vous avez vu, non? Depuis qu'ils ont parlé de la présence des officiers supérieurs dans la zone de Conakry, on ne peut plus dire que la RTZ est brouillée, quoi, quoi, mais on parle de fibre optique. Depuis deux jours comme ça, la communication est difficile. Depuis deux jours comme ça, vous ne pouvez pas émettre une communication facile. Ça fait de cela trois mois que le groupe WhatsApp des Guinéens là sont fouillés par Mamadi Doumbouya, a répété, le petit l'a répété. Celui qui fouille dans WhatsApp, il voit les photos. Bon, il va faire attention parce que s'il continue à regarder les photos, les WhatsApp de Amara, les WhatsApp de Djiba, les WhatsApp de Dansa Kruma, il risque de voir les fesses des femmes là-bas. Excusez-moi. Il risque de voir les fesses des femmes et des corps nus dans les. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Hein? S'il rentre dans les WhatsApp de ces gens, c'est un gros loy.
a dit mon serment Kana Kolumbé, mon serment des femmes mariées des autres même. Beaucoup. Beaucoup, hein. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi-même, je dirais à ma soeur, à Aminata Diallo, Aminata Diallo, il faut rester tranquille. Aminata, il ne faut pas cesser de poster, il faut te calmer. Pour te calmer, il y a tes vidéos jusque-là qui circulent dans les inbox des gens. Moi, je ne sais pas ce qui t'a pris en prenant des vidéos envoyées à des gens. Voilà, aujourd'hui, il y a ta vidéo nue partout dans les téléphones des gens. Pour te calmer. Donc, nous demandons aux deux officiers supérieurs là de se tranquille, de faire beaucoup attention. Nous le souhaitons bon sens. Nous revenons à la principale question. Je voudrais m'adresser à Maurice Anda, le berger. Le berger, parce que les griots sont nobles. Il y a tous les griots sont nobles, mais le seul griot indigne, le seul griot, même témoin, où il y a folla, il est killing. Quand je vois des gens poster la photo de Maurice Anda, Maurice Anda a les enfants, les petits-enfants des Guinéens qui vivaient en Égypte, qui sont rentrés d'eux-mêmes, qui ont demandé aux autorités égyptiennes de les laisser rentrer dans les pays. Ils n'ont pas été aidés par les affaires étrangères. Ils n'ont pas reçu de financement. Ils n'ont rien obtenu de cette junte. Qu'est-ce que les Égyptiens ont fait? Vu nos liens, vu notre amitié là, ils ont mis beaucoup de personnes, les volontaires, hein, pour entrer en Guinée. Ils sont rentrés. Vous avez vu Maurice Anda à l'aéroport en train de prendre des photos avec les enfants. Comme si c'est lui qui a financé le retour. J'ai causé avec beaucoup parmi eux. Les gens étaient à l'aéroport énervés, fâchés. Ils l'ont même insulté, l'ont entendu, fait comme s'il n'a pas entendu. Yatiaraba, amour abandonné. Et pourquoi ils ont arrêté beaucoup de Guinéens en Égypte? Dites-nous. Personne n'ose demander, poser la question de savoir pourquoi tant de Guinéens comme ça ont été arrêtés les deux dernières années en Égypte. Moi aussi, c'est ça qu'ils sont posés là. Et pourtant, ils n'ont pas été arrêtés pour délinquance. Non. Ils n'ont pas été arrêtés pour vol et autres. Non. Les Guinéens vivant en Égypte, qui sont rentrés d'eux-mêmes là, sont arrêtés à cause des documents. Le renouvellement de leurs documents à Belaoudi. Alors, qu'est-ce que monsieur le ministre, le fameux Djeliba, faux Djeliba, parce que les génies sont dignes. Qu'est-ce qu'il faisait? Où il était? Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit sur les réseaux sociaux? Aider, sauver les Guinéens vivant en Égypte. Est-ce que Maurice Anda a fait une conférence de presse pour déplorer le comportement, l'attitude des policiers égyptiens? Une fois, c'est reste qu'une seule fois. Il ne l'a jamais fait. Mais le salaud s'est levé pour aller se coller aux gens à l'aéroport pour chercher des vues. Et pour qu'on dise, non, c'est Mamadou Doumbia qui a fait rentrer ces gens-là. En réalité, les gens ont posté. En ancien, à Bafébé, Moutag. Les gens savent comment ils sont arrivés à Conakry. Au fait. Et c'est pas limité à ça. C'est pour encadrer la communication, les interviews de ces Guinéens-là. Pour ne pas que les gens-là dénoncent ce qu'ils ont subi en Égypte. Ils ne veulent pas. Ou bien vous n'avez pas vu, où sont les Guinéens vivants, les Guinéens qui viennent en Tunisie là, qui sont rentrés là? En Côte d'Ivoire, nous avons vu, ils ont reçu de l'argent. En Guinée là, où sont-ils? Ils ont été abandonnés. Ils ont même fait un sitting une fois là. On les a maltraités, frappés. Depuis ça, personne ne parle d'eux. On dit association des Guinéens vivants en Tunisie. Ils sont rentrés à Tunisie de Moïse. Ce salaud, ça m'a tellement mis mal à l'aise. Je remercie mon grand frère Onazisa. Moi, j'ai communiqué deux fois là-dessus. Mais grand Onazisa a passé presque plus de 3 mois en train de déplorer, de dénoncer le comportement du consulat, tous ceux qui travaillent à l'ambassade en Égypte, de la Guinée en Égypte. Il n'y a pas ce que grand Onazisa n'a pas dit. Il a donné toutes les rêves, tous les détails.
Moi, je me dis même, c'est grave. Au nazisme, ça a été un bien pour les gens là. Parce qu'au moins, il est resté à parler, ça paye. Malgré ça, lui, au nazisme, il est entré en contact avec un membre du gouvernement pour lui aider les Guinéens vivant en Égypte. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est lorsque ceci là sont rentrés, un vaurien de ministre des Affaires étrangères vient prendre des photos avec eux pour les vues là. On en sait beaucoup. Regarde, ce pays-là aujourd'hui est à terre, c'est connu de tout le monde. Personne n'a besoin de Fils Abidilaï. Quelqu'un ne l'a pas demandé. Comment quelqu'un peut? Il y a d'autres qui étaient rentrés d'eux-mêmes. Hein. Ceux dont les parents ont un peu d'argent là sont rentrés depuis. D'autres, je connais une dame qui était sur ma page. Un jour, elle m'a appelé et dit, je suis rentré. J'ai dit, c'est son frère qui envoie l'argent de l'Espagne. Et puis, elle est rentrée en Guinée. Elle est rentrée, il a repris le commerce. Ils étaient au nombre de 14 comme ça ces jours-là qui sont rentrés volontaires. Ils avaient les papiers arrivés à expiration. Comme ils n'ont pas pu renouveler d'abord les papiers au niveau de l'ambassade, ils se sont portés volontaires pour rentrer. Ils sont arrivés en Guinée. Et qu'est-ce qu'elle lui fait? Regardez les photos. C'est pour venir se pointer et prendre des photos avec les gens là. Qu'on a comme Maurice Anda, le ministre des Affaires étrangères, ceci, cela. Un porteur, un vieux salaud. Et on le demande, hein. Regardez-les ici, attendez. Regardez-les ici. Le chercheur de poids, il n'a même pas sa bague de mariage. Il passe tout son temps à dire aux petites filles qu'il n'est pas marié. Regardez-les, Guinéens vivent. On leur demande d'applaudir. Regardez-les, c'est lui ça qui arrive, regardez. Nabinti, comment vas-tu? Non, vous devez applaudir. Comme Maurice Anda est gentil. Maurice Anda. Nous remercions les autres. Regardez-les. Ça là, il n'y aura pas de communiqué. Quelle est la mesure d'accompagnement? Les mesures d'accompagnement. Zéro. Depuis plus de 15 ans, Dieu nous a épargné le problème de rapatriement des Guinéens. Depuis 15 ans comme ça, jusqu'au temps de Dadis. D'Addis de Sekouba, donnez-moi le nom d'un pays qui a expulsé les Guinéens ou bien actuellement là, regardez le nombre de Guinéens arrêtés, emprisonnés en Tunisie est extrêmement élevé, le nombre de Guinéens en prison au Maroc est extrêmement élevé, le nombre de Guinéens en prison en Égypte, ça, ce n'est même pas la peine, au Mozambique, en Angola, et puis quand tu les demandes pourquoi. Quelles sont les causes à la base de ça? On n'a pas de document. Quand la police t'arrête, tu montres un document, c'est expiré. Tu vas à l'ambassade, on dit non, Conakry n'a pas envoyé d'abord. Où est l'ambassade? Et lui, il est assis, et lui, il se promène. Il aime ses enfants sont là, ici, à l'aise, ils ont tous les documents. J'étais à Nouak avant, il y a un qui m'a appelé. Ils sont rentrés. À cause du renouvellement d'un papier. Il a perdu son commerce en Égypte. A Benito, n'a Brina Loubeni. Nkana Fembele, toi, j'ai laissé tout en Égypte. J'ai fait le petit commerce, j'ai tout laissé là-bas. À cause d'un papier. J'ai marché à l'ambassade pour qu'on renouvelle le papier là. Afin que j'envoie ça. Je renouvelle ma carte de séjour. Je ne l'ai pas obtenu. C'est qu'on m'a demandé à l'ambassade, j'ai payé. Mon argent même est resté à l'ambassade. Je n'ai pas pu récupérer mon argent à l'ambassade. Je n'ai pas pu. Alors, qu'est-ce que le monsieur a fait aux affaires étrangères? Pourquoi il a été reconduit? Mouna, pourquoi? On est ministre des Affaires étrangères et les Guinéens de l'étranger, pourquoi? Et de sur quoi il est culotté, il n'a même pas honte. Vous savez ce qu'il a dit avant, c'était hier, hein, avant-hier, ce qu'il a dit. Je vais lire ce qu'il a dit. Tellement qu'il n'a pas honte, il traite. Oh, attendez, j'ai le document ici. Il n'a pas honte. Voilà. C'est lui, ça, regardez-le. Je ne suis pas en train. Le voici. Regardez. Voilà ce qu'il dit. Que ceux qui migrent de l'Afrique vers ailleurs sont considérés comme des mendiants.
entre Dieu et vous. Vous trouvez ce monsieur responsable? Pour l'amour de Dieu, allez-y voir en bas du poste. Allez-y voir les commentaires. Il y a des noms là-bas où, si vous ne faites pas attention, vous n'allez pas savoir que c'est des intellectuels, c'est des professeurs, c'est des docteurs, ou bien c'est des représentants des partis politiques. Les gens qualifient de monsieur là de malade mental. Ce n'est pas de l'injure, on le traite de malade mental. Que ceux qui migrent vers l'extérieur sont traités de mendiants. Entre Dieu et vous, vous qui vivez à l'étranger, vous qui avez les documents, on vous traite de mendiants. Il y a des gens qui se déplacent pour aller payer les études de leurs enfants à l'étranger. Il y a des parents qui sont à Kola qui ont l'argent. Si ce n'est pas en ce cas-là, qui envoient, dès que les enfants ont baccalauréat, là, ils se battent pour les envoyer à l'étranger pour étudier. Ce sont des mendiants, ça. Les enfants là sont des mendiants. Ils finissent les études. Les mêmes enfants peuvent postuler pour travailler dans des institutions internationales. Ce sont des mendiants. Ce sont des mendiants, ça. Ce sont des mendiants. Maurice Andar, ce sont des mendiants. Et ce qui me fait mal, c'est quand les étrangers commentent. Allez-y voir, lisez les commentaires. On dit, mais c'est le ministre des Affaires étrangères de la Guinée qu'on a crié. Mais lui, est-ce qu'il n'est pas malade? Voilà. Lui qui est venu ici, parce qu'il y a toute sa famille entre Maryland et Washington DC. Toute sa famille est là. Ses enfants, ses petits-enfants. Est-ce que ceux-ci sont des mendiants? Donc ses enfants n'ont pas migré. Lui, Maurice Sanda, il est né aux États-Unis, grand aux États-Unis. Un vendu, un vanipier qui était en Guinée. Un simple patron. Donc lui, c'est-à-dire, franchement, Benito n'a pas le temps de vous lire les commentaires. J'ai fait la capture, ou les captures des cas de plus de 6 commentaires. Des intellectuels qui traitent ce monsieur-là des malades mentales. Comment tu peux traiter que les gens qui migrent vers, de l'Afrique vers l'étranger sont traités de mendiants? Ses enfants étaient avec nous au tournoi interstate. Vous, entre Dieu et vous qui êtes à New York, hein, en France, je connais des. Je dis, je connais des. Il y a les deux tontons qui sont à l'université à Ken ici là. Juste à 20 minutes de chez moi ici là. Deux tontons, ils ont dit ici là. Hein, deux tontons. Les enfants ont fini. Il y a un qui est devenu manager à toujours. À Diantissa, son fils, il a fini les études ici, là. Il est né en Guinée. Son fils a fini, il est manager à Diant. Son fils. Donc, son fils, là, était mendiant, hein. C'est un mendiant. Le professeur qui est là, et puis il est de Farana. L'autre, là, il est de là-bas. Les deux, là, sont des mendiants. Moi, ce sont des mendiants, des professeurs qui enseignent. Toi, tu peux enseigner ici. Avec ton anglais, là, on dirait autre chose. Toi, tu peux enseigner ici. Toi, tu peux. Il y a tellement de Guinéens qui enseignent dans les universités. Ce sont des mendiants. Voilà pourquoi les gens. Le seul mot qui m'a soulagé, on dit ce monsieur a été malade mental. C'est-à-dire les gens, que tu es un malade mental, est-ce que ça va chez lui? Il y a des fonctionnaires internationaux qui sont mités aux Nations Unies, dans les institutions internationales là. Ils envoient les enfants avec eux, ils les mettent à l'école, ils finissent, les enfants cherchent leur boulot. Donc, les enfants là sont des mendiants. Ce sont des mendiants. N'importe quoi. Voilà. Dieu m'a donné la chance, il est sur ma page. Kaz Fofana, bonsoir mon petit. Kaz Fofana, je ne sais pas si c'est un faux compte ou bien c'est ta page. Heureusement, tu es sur ma page. C'est moi qui ai fait la vidéo. Et ce que j'ai dit, je vais répéter parce que tu es sur ma page. Tu étais un panafricain. Tu as fait le combat de Ousmane Sonko. Tu as fait le combat contre la France-Afrique. Tu t'es battu contre les régimes. Selon toi, dictatoriaux, les régimes, c'est-à-dire les sous-préfets de la France. Tous tes postes sont là-bas. Car petit Kaz Fofana. Je suis étonné, moi, Benito. J'ai ta photo ici où tu voyages avec un passeport français. Un passeport français. Hein? Ousmane Sonko, un excellent cadre, est devenu chef du gouvernement. Moi, Benito, je m'attendais. Parce qu'il y a des activistes sénégalais qui ont combattu
Quand tu es sur ma page, je le répète, moi je ne parle pas derrière quelqu'un, je le répète devant toi. Des activistes sénégalais sont rentrés, chercher de l'emploi, travailler, parce qu'ils ont des diplômes d'abord au départ sénégalais. Qu'est-ce que toi tu fais en Guinée? Et puis de surcroît, j'ai pensé que tu allais animer une conférence de presse, parce que j'ai vu ta petite vidéo que tout va bien en Guinée, que la Guinée, c'est regrettable. C'est regrettable. Voilà Kémi Séba au Bénin. Il est tombé dans l'anonymat. Kémi Séba. Moi, je m'attendais que tu rentres au Sénégal. Tu demandes à Ousmane Sonko, comme tu es de l'agent de Ziguinchor, qu'on t'envoie à Ziguinchor pour que tu puisses travailler dans la commune. Ou bien tu postules pour être dans une ambassade. Mais tu n'as pas trouvé lieu pour aller. C'est venir en Guinée parce que simplement tu es contre les peuls. Tu traites les peuls de tout. C'est tout ton souci, c'est les peuls. Tu as écouté Serdal N'Diallo sur RFI, tu l'as écouté? Tu as écouté Selous? Tu l'as écouté? Je pense que cela a rafraîchi un peu ta main. Je suis dépassé quand je t'ai vu en Guinée. Dépassé, j'ai dit, ah bon, Mamadi Doumbia qui est là, tu le trouves normal, tu le trouves juste. C'est regrettable. Comme tu es sur ma page, quand je finis, il faut monter, tu fais un live, comme tu as Conakry. Ça, c'est la Guinée pour laquelle il faut faire beaucoup attention. La Guinée n'est pas la France. La Guinée n'est ni un autre pays de l'Afrique occidentale. Plus tu t'amuses à raconter des bêtises en Guinée, là, tu vas voir ce qui va se passer, petit. Moi, je pensais que tu étais un grand intellectuel. Ousmane Sonko allait t'aider. Si c'est la volonté, si tu étais sincère dans ton combat contre Macky Sall, si c'est pas être derrière le pouvoir pour avoir de l'argent et puis disparaître, si réellement tu étais pour le militantisme réel, pourquoi tu ne rentres pas comme les autres activistes? Même la ministre des Affaires étrangères du Sénégal, je peux dire quelque part qu'elle est activiste, même si elle est des fonctionnaires internationales, elle s'est beaucoup battue. Elle est ministre des Affaires étrangères. Beaucoup d'activistes sénégalais sont rentrés. Toi, tu fais quoi à Conakry? Derrière un légionnaire. Et bien, tu sais quoi, toi, Kaz Fofana. Tu rentres en Guinée derrière un légionnaire. Toi, tu te dis combattant de la liberté, quelqu'un qui se bat contre le panafricain de passer par là, c'est toi qui rentres à Conakry pour faire le mendiant derrière un légionnaire français. Salut mon frère de sang, Mamoudou Sylla, comment vas-tu? Je salue mes enfants, comment vas-tu? Mon champion, moi, c'est Bingé Nima. Comme tu es, toi, Kaz Fofana, Dieu a fait que tu es venu sur ma page. Ça, c'est la Guinée, c'est Conakry. Il faut t'amuser à raconter des bêtises à Conakry. Mon ami, tu verras la solution. Il y a un jeune homme là qui a pris le commentaire, ce qu'il t'a envoyé. Je remercie le jeune homme là, il t'a envoyé. C'est un professeur à l'université de Sonfonia. Je me limite là. Il a commenté sur ta page. Il a commenté sur ta page. Il t'a envoyé, il est parti même sur ta page. Tu l'as répondu, il t'a attaqué. Tu as vu comment, tu as vu comment le monsieur est un intellectuel, il t'a ramené à la raison. Il a fait une comparaison entre Ousmane Sonko et ton combat contre Macky Sall. Il t'a mis entre les deux, la regarde. Si c'est sincère, si tu es sincère, tu t'étais pour. J'ai aimé le dernier paragraphe où il dit, si c'était sincère, ton combat pour le panafricanisme, pour la liberté, pour combattre la France-Afrique, tu ne devais pas être à Conakry. Mais il dit qu'il voit en toi quelqu'un qui manque de repères. C'est le paragraphe là que j'ai aimé. Que tu manques de repères. Parce que franchement, c'est quelqu'un qui manque de repères, qui peut combattre la France, combattre les sous-préfets, selon toi, les sous-préfets de la France, et puis qui vient à Conakry derrière un légionnaire français. Derrière un légionnaire français. Moi, je vais prendre mon frère de Sam Mamoudou. Derrière un légionnaire français, c'est quoi ton problème, petit? C'est quoi ton problème? Mamoudou, j'ai accepté, mon frère, j'ai accepté. Il faut prendre conseil. Il faut prendre conseil. Parce que, et lui, et moi, nous sommes extrêmement étonnés. Tu es tombé si bas, trop bas même. Si moi, c'est-à-dire, même sur YouTube, je te suivais sur YouTube, t'aider sur YouTube, mais je me demande vraiment qu'est-ce qui est arrivé. Qu'est-ce que tu as eu avec tout ton combat? Ça, c'est,
Je me limite au conseil de Mahmoud. Ça, c'est pour toi. Ça, voilà. Donc, chers frères et sœurs, nous allons continuer. Maurice Sanda, en tout cas, traiter les Guinéens de mendiants, c'est autre chose. Le général Condé, le ministre de l'administration du territoire, tu n'es pas le premier et tu seras même le dernier qui voudrait éliminer les partis politiques. Général Condé, tu demandes une évaluation des partis politiques. Général Condé, ministre de l'administration du territoire, Général Condé, tu étais gouverneur de Kidia. C'est lorsque Sadiba Koulibaly a refusé son poste, parce que là où il était avant qu'on le nomme ministre, on l'a remplacé par bis. Quand nous regardons la structure du CNRD, il devenait automatiquement le numéro 2. Monsieur Condé, Général Condé, je vous rappelle, lorsqu'il y a eu le coup d'État, 10 jours après, si j'ai la mémoire fraîche, c'est Sadiba qui a été envoyé à la CEDEAO. C'est lui qui est parti rencontrer le Nigérian Bao, le Benoît. C'était Sadiba. Sadiba était le chef de mission. C'est Sadiba qui avait remplacé Général Condé à la tête des commandos chinois. Sadiba, du gouverneur de Kindia qui a été nommé ministre. Tu as échangé ce poste-là avec le petit, que nous avons beaucoup aidé parce que nous avons dit qu'il n'est pas à son poste, parce qu'il n'est pas expérimenté, il n'est pas administrateur. Mais ce que je veux te dire, je ne vais même pas perdre mon temps. Tu ne veux pas évaluer les partis, tu veux évaluer le RPG et l'IRDG. Je n'ai connu que d'abord militant du RPG. Tu as voté Alpha Condé toute ta vie. Je la connais. Tu étais au temps de Sékou Touré à la cellule du Kamboiro. Non, nous n'avons pas la mémoire courte. On t'a détaillé. On dit, voici le gars-là, le ministre de l'administration du territoire. Aujourd'hui, tu t'es fixé un objectif. Au lieu de travailler pour remettre le pouvoir aux civils. Non, non, non. Toi, tu demandes à évaluer les partis. Comme l'autre a fini d'évaluer la presse, il a fini d'évaluer. Et le petit de la RPT, Mamadi Doumbouya, a fini de brouiller, couper tout. Maintenant, c'est à ton tour d'achever la population. Parce que ce que je sais, si je prends la définition de l'évaluation, une élection présidentielle est une évaluation. Parce que qu'est-ce qu'on dit en fin des comptes? On dit, Alpha Condé passe avec 52, tel. 52,33. Son second à 46, son second avait 50. C'est qu'il y aura un second tour, il faut les partager. Parce que la note de passation pour passer là, il faut avoir 5, c'est-à-dire 50%. 50 pour passer. 49,90 ne passe pas. Ça, c'est l'évaluation. C'est une évaluation. Voilà pourquoi on dit le pouvoir, c'est le peuple. Seul le peuple est le seul propriétaire du pouvoir. Parce que c'est le peuple qu'on prend pour noter ceux qui voudront passer, être à la tête du pays. Je vais raconter. Ceux qui sont là n'ont pas été évalués. Ils ont pris les armes. Ils ont attaqué un palais. En attaquant ce palais, il y a eu des vies humaines qui ont été sacrifiées. Donc, ils n'ont pas été évalués. Maintenant, toi, tu veux évaluer des partis politiques dans lesquels s'identifie le peuple, le propriétaire du pouvoir. Parce que le peuple, là, le peuple s'identifie dans les partis politiques. Chaque Guinéen, dans l'ensemble même. Quand tu es politique, tu n'es pas politique. Mais personne ne va te dire qu'il n'a pas une affection pour un parti politique dans son pays. Il va te dire que moi, je ne suis pas politicien, mais s'il s'agit de voter, je vote pour telle personne. C'est comme ça. Je ne suis pas politicien, je ne parle pas de politique. Mais quand il s'agit de faire mon devoir, le devoir civique d'aller voter, je vais voter pour ce parti politique. Donc, tu as vu, je la connais. C'est dans ces partis politiques-là que le peuple s'identifie. Mais si toi,
Toi, tu veux évaluer, et puis avec quel critère? Tu as vu le poste de Mohamed Mara, l'évaluation, parce que ce que tu veux faire là, c'est clair. Tu as déjà les questions. Tu as déjà préparé l'évaluation. Maintenant, il s'agit de mettre des croix. Tu demandes aux partis politiques, vous avez ça, tel. Vous n'avez pas ça, tel. Est-ce que vous avez le siège? Non. Croix, non. Maintenant, avec les différentes croix, si la personne n'a pas telle note, donc il est disqualifié, donc le parti est fermé. Et puis, vous le retirez les agréments. Les valeurs. C'est ce que nous, nous avons appris. Et tu n'es pas gêné de le dire, parce que nous l'avons appris et j'ai fait un communiqué là-dessus. Je dis, bientôt, ils vont se fermer certains partis politiques. Et 10 jours après, tu es venu confirmer ce que j'ai dit. Mais je ne la connais pas. Même qu'il a Côte d'Ivoire, c'est parce que tu n'es pas un enfant. Même qu'il a Côte d'Ivoire, tu as vécu tous les régimes de ce pays-là. Même qu'il a Côte d'Ivoire, c'est que tu connais tous les présidents qui sont passés dans ce pays-là. Même qu'il a Côte d'Ivoire, c'est que tu n'es pas étranger à l'administration du territoire. Donc, si toi, tu commets des bêtises, et que le Mossifine te défend là, personne ne va te défendre. Le sujet d'Ambakaïta, ils vont jamais dire que non, il n'est pas expérimenté, il n'est pas. Non, 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 Taro, il est calon. Tous les régimes, Até et Mamène servi. Il est calon. Donc, ni Kaké, c'est qui a voulu Mali. Maintenant, un enfant, parce qu'il défend ton premier enfant est plus âgé que Mamadi. Oui, le petit, il est plus âgé que Mamadi Doumbia. Ton deuxième enfant. Il démontre le garçon, qui est plus. On dit Mamadi Doumbia, le groupe d'âge. Mamadi Doumbia dit ce qu'elle a. Il dit Savanadi. Donc, c'est cet enfant-là qui t'a dit qu'il te fait comme ça. Qui va. Non, acquitté, acquitté, acquitté. Boti Kuno. Tu n'as pas caca dans ta tête, je la connais. Tu as tout est dans ta tête. Guédéliens, ce n'est pas enfant. Il fait guerre, lui. Comment on appelle ça? Non, il y a pour le Brahma Kone, lui, je crois bien. Il est fait guerre, lui. Comment il s'appelle là? Il dit où les générations qu'il est? Au Bébro retraite là. Donc, Ibla Malifera, tu fermes les partis politiques ici là. Ni Allah la Fouyana. T'as voulu à te kiliko. T'as voulu qu'on ait un fait taro. Ici, y'a. Ici, y'a. À te kiliko, hein? D'accord. Ned Ibla, je vais accorder. Le ministre de l'administration du territoire, mon frère, celui qui me dit petit frère là, eh bien, ce Yatara, bon, moi je ne connais pas, mais moi je me réserverai de vous appeler petit frère en direct, quoi. Voilà, je me réserverai de le dire. Petit frère, petit comme un petit frère, con. Voilà, je me réserverai de le dire. Moi je ne connais pas, vous ne connaissez pas mon âge. Donc, on ne passe pas si vous avez l'autorité de me traiter de petit frère. Ce n'est pas méchant, hein. Mais je préfère que vous laissiez tomber ça. Si c'est en inbox, vous m'appellerez pour savoir si je suis plus âgé ou si vous êtes plus âgé que moi. Là, c'était entre parenthèses. Donc, ce monsieur qu'on appelle Général Condé, le ministre de l'administration territoire, il dit qu'il va évaluer les partis politiques. Il n'y a pas de problème. Je vous informe déjà qu'il a ses critères, que lui-même il a créé, il a sélectionné, il a choisi pour évaluer les partis politiques. Et pourtant, entre Dieu et vous, les partis politiques existent plus de 20 ans. Il y a des partis qui ont existé plus de 20 ans. Est-ce que vous avez entendu un ministre de l'administration du territoire dire, venez vous dire qu'il va évaluer les partis politiques. Vous vous rappelez lorsque Maurice Condé avait dit que les partis politiques doivent montrer de tels autres documents qui passeront dans tous les départements de ces partis politiques-là pour se rendre compte, pour avoir des informations sur les documents de ces partis. Moi, je me rappelle pour le RPG arc-en-ciel. Ils n'ont pas averti le RPG. C'est lorsqu'ils sont arrivés à l'aéroport, à Bruxelles, là-bas, là, au niveau du pont, là où il y a les taxis, en remontant vers, c'est pas si c'est au Carrefour, là où il y a la petite Fipe, là. C'est là-bas qu'ils ont appelé pour dire, nous arrivons,
pour une évaluation de votre. Leur présent était très clair. Vous retournez, vous nous envoyez un document officiel, vous demandez à rencontrer les responsables du RPG, et au retour, on vous envoie un document pour valider, pour répondre. Si vous ne recevez pas ça, c'est qu'ils n'accepteront pas qu'ils rentrent ici. Au départ, ils ont pris ça comme une arrogance. Selon les jeunes, allez demander qu'à voler au Doulou, voilà. Comme ils sont comme non, frère, attends, ne prenez pas. Moi, un coup, voilà. Voilà. Peut-être dire bon, ben, mais on n'a pas parlé en inbox, grand frère. OK? Donc, ils ont pris la réaction du RPG comme une arrogance au téléphone. Il y a un même demain. Nous sommes l'administration, nous sommes le régime, nous sommes au pouvoir. C'est nous qui devons évaluer. Mais le RPG, non, on ne pose pas problème. Nous sommes un parti politique bien implanté dans ce pays. Nous n'avons pas besoin de discuter avec vous, s'il vous plaît. C'est ce que nous demandons. Il faut que ce soit officiel le jour de la problème pour qu'on puisse montrer le document. Parce que certains viendront nous juger. Comment vous acceptez de recevoir les gens sans un document? C'est pour éviter. Donc, retournez-vous, envoyez le document, nous validez, puis vous venez inspecter les documents, c'est tout. De là-bas, ils n'ont pas été évalués, j'ai raconté. Il est en branle. Quand tu vas évaluer les partis, il n'y a pas de problème. Et quand Wassabali, le cas Wassabali. Et pourtant, le cas fort, que vous venez faire l'amour à ce pays-là, tant qu'il n'est pas concerné. Il a pas trop un coco, il est venu faire l'amour à la Guinée. Il n'y aura pas de culte de personnalité, même si c'est lui a répété ça. C'est lui qui l'a dit. Hein. Personne n'a prêté la parole là, au petit là. Allez, les culte de personnel de quoi, ben, fort. Mais affichez-le, Robert. Regardez ça. Je vais montrer la photo de la fille là, dans l'hélicoptère présidentiel. Voilà la même fille. Allez, les gars, vous allez m'en foutre. Allez, les gars, fort. Vous allez le colon. Eh bien, ça, c'est l'hélicoptère présidentiel. Eh bien, je n'ai connu. Non, exemple. Et l'autre, il y a eu là. Eh bien, je me souviens bien alors, Miss Mara. Regarde la photo montée, étape par étape, là, dans l'hélicoptère, non. Voilà. Maintenant, il y a eu là. Non, comment tu es là? Il y a eu là. Pour la Guinée, c'est la Guinée est pour ça, c'est la Guinée. Et on y est car, d'accord. Donc, Mbadaï, Faye du Rouhan, dit et tu fermes le parti politique, ok? Ta va sous la Guinée à Tekeliko, nous allons t'évaluer toi-même. Donc, voilà encore, je reviendrai sur cette personne, après on se reprend le soir. Regardez le monsieur en question, il continue ses bêtises, il continue à fermer les radios, toute la presse, tout ce qui est presse écrite, bah, presse, ben, tout ce qui est presse, là, le monsieur l'avait éliminé, voilà. Il vient de fermer une station de radio, encore une décision prise, voilà. J'ai toutes les copies ici. Tout est là. Voilà, donc on se reprend le soir. Merci beaucoup, portez-vous très bien. Nkalom, Abraham, Ebrahim, on se reprend le soir, là, Inch'Allah. M'excusez beaucoup pour les deux jours là. Voilà, Tamba Tuntemboul Barak Bamikwa, Abrahane. Donc, on a raffé. Merci à tout le monde. Oumundoy, j'avais aussi ma maman même. J'ai vu ma maman sur la page, j'ai oublié ma maman. Oh non, nene. Donc, portez-vous très bien. Bonsoir à tout le monde. Yannick, Mamoudou Sula, merci pour l'intervention. Et à mon grand frère de Bangoura, Bangoura, voilà, Baga Foti, voilà, Yabib Baldi. Voilà, merci à mon Bouba Samsam. Voilà. Voilà.
Merci, Bouba Samsam. Excusez-moi très fort pour le déjeuner passé là. Mais voilà, Adia Galibari-Shirif, merci, ça c'est les nobles. Merci beaucoup. Portez-vous, Camara Moussa, merci mon frère, merci à tout le monde. Voilà, restez dans vos partis politiques, c'est le seul conseil, je réitère mon conseil. Restez dans vos différents partis politiques là. Si vous voyez qu'on veut fermer les partis politiques là, c'est parce qu'ils savent très bien. Ouais. Thank you.